Qu'est-ce qu'il avait pu faire ce renégat Jedi pour qu'il soit recherché? Ce serait un ancien général Jedi. Ses soldats le surnommaient le général invincible. Parce qu'il n'aurait, à ce qui paraît, perdu aucune bataille. J'ai entendu parler de lui. Une vraie légende à lui tout seul. Il dit beaucoup de choses sur vous. À tel point qu'on ne distingue plus le vrai du faux. Puis-je vous demander ce que vous faites ici? J'ai pour mission de vous ramener sur Coruscant et de vous présenter devant le Conseil. Lors de sa dernière bataille, il y aurait eu tellement de pertes, une hécatombe, qu'il aurait fait exécuter tous les prisonniers. Que s'est-il passé? Ils se sont mutinés. Je n'ai pas eu d'autre choix. Ils ont dû juger que vous n'étiez pas un très bon compagnon de route. Et la bataille, ils la gagnèrent? Qu'avez-vous exactement vu dans vos visions? J'ai vu des tas de gens se faire tuer. Quelque chose de grave est en train de se passer sur Coruscant. Ça fait 3 jours qu'on cherche un renégat. Sans ce banta, tu nous traînes. Ça fait longtemps qu'on aurait livré les colis sur Coruscant. C'est lui le boss, Clybert. Sa cible, sa mission, son argent, ses conditions. N'est-ce pas vous qu'on surnomme le général invincible? Où est passé votre courage légendaire? Foutue doctrine. Votre stupidité vous mènera à votre perte. Il y a peut-être encore des personnes à sauver. Je suis prêt à prendre le risque. Se rendre sur une planète recouverte d'ennemis sans soutien, c'est du suicide. Un Jedi ne fuit pas face au danger. Je n'ai pas peur. Vous êtes fou. Méfiez-vous, Samel. Vous savez autant que moi où mène la colère. Je sens que le sort de toute la galaxie est en jeu.